Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc une vidéo avec Quartz, comme vous avez pu comprendre avec le titre. Donc où je vais vous présenter toutes les affaires de Quartz, mais la partie 1. Parce que toutes ces affaires sont pas ici, donc je vais vous les montrer ceux qui sont ici. Et après je vais vous montrer les autres dans une prochaine vidéo. Donc voilà, y aller. Donc j'ai changé d'endroit pour tout vous présenter. Et ça fait beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu. Et là-dedans, il y a quelques affaires à flocons. En quartz. Ouais. Donc on va tout de suite commencer. Oula. Je vais vous présenter plus en détail. Mais c'est sa cage. Oh. Un peu plus. Donc voilà, c'est une petite cage toute simple. Tu m'énerves. Tiens. Donc c'est une petite cage toute simple avec des barres noires. Donc toute simple noire avec porte décoration, il faut faire attention. Donc petit verrou comme ça. Et avec le petit plateau bah, au fond quoi. Donc petite cage toute simple. Et voilà. Donc on va commencer par décasser une griffe. C'est bon, c'était juste un peu mal à jouer avec tes balles. Ça va? Correct? Qu'est-ce que tu fais, Billy? Non, mais je t'en prie, cette vidéo. Bon, on va commencer avec tout ce qui est nourriture. Et le bruit au fond, c'est Quartz qui joue avec une de ses petites balles. Et qui va échapper en arrière de la gabelle verte, vraiment tout simple, donc verte nacrée avec deux petits compartiments, un pour l'eau, un pour la bouffe, et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est une petite gabelle tout simple, il n'y a pas d'antique dérapant ni rien, donc en plastique, assez belle quand même, un beau vert nacré. Après, dans les friandises, on a pas mal de friandises qu'il a eu à Noël et d'autres qu'il avait déjà. Je vais présenter ceux qu'il avait déjà. C'était ces trois-là. Ceux-là, ça fait quand même un bon goût qu'il les a, mais j'ai pas surtout faire de la gélatine parce que je les casse un petit morceau, ils sont faciles à casser, c'est des petites papates comme ceci. Que de la marque César. Voilà, il n'y a pas de placement de produit. Hop. Donc, si vous avez un petit chien, je vous conseille. Qu'est-ce que tu fais? Si vous avez un petit chien, je vous les conseille fortement pour le dressage, c'est vraiment bien. L'agilité aussi. Voilà. Donc, c'est des petites friandises qui se présentent comme ceci, sous forme de pâte. Avec le nez de Quartz.
Et donc elle se casse extrêmement facilement. Si vous voulez pas en donner trop. Que voilà. Ah tiens. Hello. Tiens. T'aimes pas? Donc ça. Il va falloir que j'aille chercher son bâton. Bon. Après, il y a celle-là. Donc c'est du foie de bœuf. Vous voyez mieux. Quand ça me remet dans l'eau. Bon. Donc, c'est des. Je sais pas trop comment dire. Et donc, ça se présente pas comme ça, quoi. C'est des morceaux de foie de bœuf. Que Quartz, il adore le foie. Donc, il aime beaucoup. Et ça. Des milk bones. Donc au beefsteak. Et donc ça se présente sous forme d'os. Ici qu'on voit à travers un petit papier. Donc des petits milk bones qu'il aime beaucoup. Milk bones. Et là je vais vous montrer trois paquets qu'il a eu à Noël. En fait il en a eu 6. D'accord. Donc il a eu 6 paquets de friandises. Mais comme je disais, ils sont pas tous ici. Donc, nous avons ceux-là. Donc, c'est des os pressés enveloppés de poulet. Donc, ça se présente comme ceci sans le poulet. Parce que moi, vous allez trouver ça bizarre, mais j'enlève le poulet qu'il y a dessus. Et je l'utilise pour faire du training en fait. Et avec le poulet, ça donne ça. Voilà. Comme ça, quand il y a des os normales à rien, comme on dit. Et moi, il mange les autres petits morceaux quand même. Hein. Mais pendant qu'on fait du training, donc là, il n'y en a presque plus. Parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement aujourd'hui et hier. T'en auras pas, parce que sinon, tu vas être gros. Voilà. Ensuite des petits os à mâcher au beurre d'arachide. Couche-toi s'il te plaît. Donc c'est ça quoi. Donc pareil quand vous partez, vous laissez ça et puis ça va bien. C'est même pas un coup de bien. Et ça je vais pas vous les montrer pendant 3 heures. C'est exactement les mêmes qu'il avait déjà. Mais vu qu'il les aime beaucoup, bah c'est parfait. Sa fête l'année passée, donc c'est en juillet et voilà, tout doucement, et le blanc il a fini il y a pas longtemps. Donc ce petit bâton à mâcher, tiens, recule, on te voit bien, chouchou, recule, on te voit pas là. Petit cœur, tiens, mais prends là, mais pas juste ta bouche dessus, voilà, allez, pars avec, t'intéresse pas, hop. Pourquoi tu rentres dans ta cage? D'accord, c'est où la porte? Et tu sors. D'accord, très intéressant. Donc, après, on a deux pots de friandises faites maison. Donc, ce sont des friandises au beurre d'arachide qu'il aime vraiment beaucoup. C'est ceci. Donc, c'est dans le pot de café, quoi. Mais il les aime vraiment beaucoup en fait. Et on les coupe avec un emporte-pièce noce, comme ça c'est tout beau, tout mignon. Donc voilà. Et donc pareil, mais avec coloré, avec du colorant alimentaire vert et rouge, pour Noël en fait, avec un petit chou. Qu'est-ce que t'as? Dans ma faute. Y'a Lily là-bas ton gros.
Bon. Et pour finir, avec la nourriture qu'il y a ici, deux cannes que vous voyez pas, évidemment. Donc, une comme ça, de chez Royal Canin. Ça va, on ne dérange pas trop. Tu la pousses d'un coup de langue. Bah, il est là. Hein. Je ne verrai pas trop. Donc celle-là de chez Royal Canin. Donc pour tous les chiens en fait, c'est de la pâté en sauce. Et ouais, ça n'a pas trop de saveur quoi, c'est... Bah, mélanger poulet, bœuf, tout ça quoi. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc c'est de la science diète. Pareil. Avec, ça se présente comme ça. Donc un petit pâté comme ça là. Et c'est avec du bœuf et des légumes. Donc voilà. On a fait le tour pour la nourriture. Maintenant, on va passer aux jouets. Et pour passer plus rapidement, ben, voilà. Grelots comme ça, il y en a plein. Plein de chez plein. Et il les adore. Donc voilà. Le petit jouet que vous voyez là-bas, c'est une petite vache. On met une bouteille dedans, je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'ai la flemme d'aller la chercher, donc voilà. Donc voilà, une petite vache qu'il aime beaucoup. Là-bas. Ouais, vous voyez moyen quoi. Hé! Ah non, il y avait un autre pot de friandises. Bah, ça, c'est un mix que j'ai fait moi quand je pars en randonnée, je mets un peu de tout. Et il aime bien, donc. Mais ça, si j'ai pas besoin de vous montrer, vu qu'il y a toutes les friandises. Donc là-bas, vous avez là une corde qui fait sa grandeur. C'est son jouet préféré, donc je vais peut-être aller vous chercher. Là-bas, Quartz avec son fameux grelot. Et il y en a un bleu là-bas. Il y a trop de friandises. Oula, voilà. Donc voilà. Je vais peut-être me dépêcher un peu là. Mais t'es pas croyable, t'as quand même un point d'un autre. Donc, hop. Donc toutes sortes de grelots. Et de petits jouets. Hop. Donc, il y a vraiment beaucoup de grelots. Des roses, des verts. Laisse-moi te compter, s'il te plaît. Un petit pompon. Une souris comme ça. Il y en a deux. Il y en a une en haut aussi. Mais elle est pareille, mais sans les poils. Elle fait le même bruit. Mais elle est en haut, donc j'ai pas trop envie d'aller chercher. Une petite corde. Une petite souris. Qu'il adore. Son cliqueur. Voilà. Son peigne. Et ça, c'est un jouet qui fait de la lumière pour chat, mais il marche pas. Et du coup, j'ai dit touche. Et du coup, il met un peu dans sa bouche et c'est trop bien. Attends, je vais montrer aux abonnés. Vous n'êtes pas abonnés. Donc, il prend comme ça. Et là, il y a une friandise. C'est bien. C'est des rambulots. Un bon garçon, ça. Donc, voilà un petit peu le dessus de la boîte. Mais là, sérieux, tu m'énerves. Mais ça va, t'en as là, des jouets. Oh, oh. Mamie, tu vas. Donc, après, il y a ces shampoings. Donc, il y a une mousse sans rinçage pour chien. Et un shampoing. Donc, voilà. Il a des poils blancs, ça le nettoie, donc c'est cool. C'est petit shampoing.
On va passer à ses vêtements et on est déjà à 15 minutes. Donc je vais passer tout rapidement. Sa veste de sauvetage, rose à pois. Oui, c'est rose et c'est un mec. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait? Un petit sac à dos pirate. Un petit collier bleu. Un petit collier bleu avec une petite rallonge avant l'anneau. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Il y a une petite rallonge. Son harnais. Mauve. Les barres de marché. Donc je vais aller marcher après. Un de ses jouets d'agility. J'ai oublié. Un papillon. Kitsi, mais il en a plein. Un autre harnais qui est plus pour flocon. Non, mais avant qui est à lui. Une laisse. Ça, c'est sa laisse normale. Donc une laisse assez grande. Après, si j'ai un gros chien, pas besoin d'en racheter une laisse. Mais c'est aussi une laisse que j'utilise pour la plage. Mon truc de canicross. Je vais vraiment vous passer vite fait. Je vais juste vous le dire, presque. Un petit bandana western. Voilà, trop mignon. Et après, il y a un collier. Il y a un collier bandana en cuir. Il a un petit bonhomme pain d'épices. Son petit collier avec des feuilles bleues. Très mignon. De Made in Canada. Je sais pas trop. Swing in Canada. Bref, il y a Canada dessus. Après, moi, je lui fais des petits colliers comme ça. Mais bref, on s'en fout. Après, il a ce petit... Il a deux fois ce petit collier rouge. Parce qu'il l'a... Il l'a dans le cou actuellement. S'il te plaît, arrête de bouger. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Ah. Il l'a dans le cou actuellement. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est le même colis. Il en a un rayé comme ça. Vas-y. Un petit pouet-pouet. Bleu. Alors que je ramasse tout ça moi après. Son papillon de Noël. Un collier bleu. Qui sert aussi pour le chat. Donc si vous voulez une vidéo sur toutes les affaires de flocons. Bah, j'en ferai bien une. Un petit colorant. Rose. C'est pour ça qu'il est rose. Et un rayé comme ça. Ah oui, et un léopard. Pas oublier le léopard. Donc, je pense que c'est tout. Oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez aimé voir les affaires de Quartz. T'as fini? Tu veux la poupoule? Attends. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram de Quartz. Donc, Quartz et Chihuahua. Pour voir ces petites photos. Et je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà. Allez, tchuss.